dans cette nouvelle vidéo de podcast tricot. Aujourd'hui, je vais vous parler de laine et de tricot, pas de crochet cette semaine, enfin cette quinzaine. Mais avant ça, je me présente. Je suis Laetitia alias Mum les Anges Tricote et vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, notamment Instagram et Ravelry, où je suis la plus active. Alors, je suis ravie de vous retrouver après ces 15 jours d'absence. J'ai mis à profit un petit peu pour le tricot, pour programmer vraiment mon planning des prochains mois qui vont être très 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 chargés. Puisque ça y est, c'est officiel, nous déménageons, nous n'avons pas la date, donc ça peut tomber très vite comme être à la rentrée en septembre. Donc j'ai déjà commencé un petit peu à m'organiser, mes pièces, etc. pour perdre le moins de temps possible pour faire mes cartons, mais également dégager du temps pour avancer dans mes projets. Voilà pour les petites news personnelles. Je prends une semaine de vacances, tant qu'on est sur les news personnelles, je prends une semaine de vacances la semaine prochaine. Alors, semaine de vacances des réseaux. Je vais continuer de travailler un petit peu. Je pars une semaine chez ma maman avec les enfants. Et je vais emmener du tricot, mais je ne pourrai pas tourner chez elle. Alors, je pourrais tourner des petits passages que je pourrais vous mettre dans la vidéo. Mais j'ai pris le parti de ne pas tourner et de se retrouver dans 15 jours. Et après, on reprendra le pli une fois par semaine. Mais là, j'ai vraiment besoin de faire une petite pause, me faire chouchouter chez ma maman. Et franchement, de pas avoir à préparer le podcast, même si je prépare pas en soi, je pose mes projets, etc. à côté, le matin même, je réfléchis pas vraiment à ce que je vais vous dire, j'ai pas de cahier, etc. C'est vraiment du spontané. Voilà, j'ai vraiment envie de mettre à profit le temps chez ma maman pour profiter d'elle, profiter de ma soeur, profiter de mes enfants. Donc ça va être super chouette. Là, il y en aura un samedi pour la sortie de cette petite beauté. Et puis après, on se retrouvera dans 15 jours pour la sortie du pull céleste. Et puis après, on reprendra classiquement si les délais de déménagement et si tout ça me le permettent. Mais je vous en parlerai en temps et en heure. Avant de commencer sur les projets terminés et les projets en cours, et les projets futurs du coup, je vais vous présenter ce que nous portons. Donc Napoléon derrière porte le ravissant pull Johanna. Celle-ci, c'est ma deuxième version, c'est la version qui m'a été tricotée par Chantal. C'est une version avec des rangs raccourcis dans le dos, donc c'est la V2. Celle-ci est tricotée dans le BFL de teinture lurée, dans le coloris Petit Biscuit. C'est un pull qui se tricote de haut en bas avec un joli panneau de dentelle sur le devant et un petit rappel sur les manches. C'est un pull raglan qui se tricote en rond et en fingering. Voilà pour la petite présentation. Ma première version était tricotée, je ne sais plus le nom du coloris, c'était un ravissant jaune moutarde de chez Yarneline et... Non, j'arriverai pas à retrouver le nom. Bref, c'était le cadeau d'anniversaire des 18 ans de ma sœur. C'est le design que j'ai créé pour ma sœur pour son anniversaire. Et il s'appelle Johanna parce que, en l'hommage à Van Gogh et sa passion pour le coloris jaune. Alors là, il est plus ocre que jaune, mais la première version, je vous inviterai à regarder dans mon Ravelry, était vraiment très jaune tournesol et c'était prédestiné. Donc voilà pour cette petite beauté que porte Napoléon. Il y a le petit oiseau là de ma copine Mama Wild qui veut juste dépasser de ma tête, c'est trop rigolo. Marie-Louise, quant à elle, perd la tête. Et Lilian arrête pas de la faire tomber, la tête ne tient plus. Porte le ravissant pull
Cathedral Sweater. Donc, c'est la sortie du week-end. Hein. Donc, quand vous regarderez cette vidéo, il est sorti la veille. Il est sorti vendredi. D'ailleurs, tant que je vous tiens, le code promo, cette fois-ci, j'arrive à y penser. Je vous offre 15% pour vous, mes abonnés à YouTube, pour mes abonnés de ma newsletter et mon Discord. Donc, c'est 15% avec le code Kaguya. Je vous l'écris juste en dessous. Kaguya en majuscule pour l'achat de ce pull et ou, si vous avez envie de vous faire plaisir, des chaussettes cathédrales. Le pull cathédrale, c'est un pull qui se commence par l'encolure. On vient faire des rangs de côtes travaillés et ensuite un yoke en dentelle vraiment très... il est simple, le yoke est simple à suivre. Il est en dentelle un petit peu sophistiqué, mais vraiment, il n'y a rien de difficile. Il n'y a vraiment rien de difficile. Ensuite, ce sont des manches ballon. Là, on ne le voit pas sur Marie-Louise parce que Marie-Louise n'a pas de bras. Mais vous voyez que ça vient rebiquer. Oui, on voit bien sur moi. Que ça vient rebiquer comme ça sur le poignet. C'est pour ça qu'elles paraissent très très longues parce qu'en fait, bah, elles vont faire comme ça. Elles vont vraiment revenir se reposer sur le poignet. C'est un pull qui est en longueur classique, que vous pouvez faire un peu plus crop. Moi, il est à la longueur de mes autres pulls. Le yoke descendant un petit peu plus bas, forcément, la hauteur du corps est plus courte. Mais une fois porté, il est à la même longueur que ce pull-là, c'est-à-dire pour moi 41 cm. Si vous voulez le faire crop, libre à vous. Moi, j'ai voulu le faire long pour le blouser comme ça sur mes jupes, etc. Que dire de plus? Alors maintenant, on va parler de la laine. La sublimissime princesse Kaguya, c'est une laine 100% mérino, donc c'est la base Dr. Wool de Arco Iris Yarn, et princesse Kaguya, c'est le coloris. J'aime beaucoup ce beige rosé avec des speckles roses verts. Il y a un peu du fuchsia, il y a presque du rouge, mais je pense que c'est un peu le fuchsia marron qui rend ça. On voit vraiment bien les speckles vert, c'est vraiment très très délicat, c'est adorable. Ce que je vous avais dit déjà dans les autres podcasts, c'est rigolo, c'est que les manches, c'est les mêmes, pris dans le même sens, tricotées à la suite. Donc ça, c'était ma première, et tricotée à la suite, celle-ci. Et ça fait pas du tout le même dessin. Bah, c'est les joies de la laine teinte à la main. On a des surprises. C'est comme ici un tout petit pooling. Mais concrètement, bah, c'est ce qui fait son charme, c'est ce qui fait sa beauté. Et je l'aime beaucoup. Donc le pull cathédrale sweater. Pour ma part, je porte le pull Lilian version femme, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je l'aime beaucoup. Alors là, ça s'est énormément rafraîchi chez nous, je sais pas chez vous. Ce matin, on est allé en vélo, on avait 7 degrés. On est allé à l'école en vélo, on avait 7 degrés. Donc les pulls sont les bienvenus. Le pull Lilian, c'est une... Ce n'est pas une collaboration, non, pas du tout. C'est un pull que j'ai tricoté, que j'ai fait tricoter par Laura, qui m'a fait ce sample. Je ne sais plus, je crois que c'est en The Uncommon Thread. Oui, merci pour l'accent anglais pourri, Laetitia. Et ici, c'est de la L'Enamourée. Non, pas du tout, c'est pas ma version en L'Enamourée, c'est de la Lilou. C'est les restes de mon dernier écheveau de Lilou, puisque cette teinturière a arrêté. Et le L'Enamourée, c'est dans la version de Lilian, l'écheveau de L'Enamourée. C'est un pull qui se tricote du col vers les côtes, avec un empliècement jacquard cette fois-ci. Voilà. Un petit rappel sur les bas de manche. Il n'y a pas de rappel sur le bas du corps parce que le yoke est déjà quand même assez présent. Maintenant, libre à vous si vous avez envie. Moi, c'était pas du tout mon souhait sur ma version. Vous avez plusieurs options de col. Moi, c'est le col double court. Vous avez le col double haut. Et vous avez les cols simples, haut et court également. C'est voilà, vraiment vous qui choisissez. Il y a des rangs raccourcis dans le dos pour creuser l'encolure. Vous voyez que je suis pas engoncée alors que c'est beaucoup plus haut dans le dos.
C'est juste parfait. Donc c'est un pull fingering, donc il est assez léger. Ce sont trois pulls fingering, hein. J'aime beaucoup travailler la fingering. Il est assez léger en termes de... de fil, il est fin, mais au niveau du yoke, comme on tricote fingering plus fingering, c'est une épaisseur d'éca, donc ça va vraiment bien tenir chaud au niveau de la poitrine, et c'est parfait pour cette saison un peu changeante. Voilà pour ce que nous portons. Je reviens vous voir avec un seul objet terminé. Oui. De un, j'ai pas énormément tricoté. J'ai vraiment procrastiné sur ce déménagement. De deux, j'ai quand même avancé sur des projets qui me demandent beaucoup de temps. Et c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis j'ai aussi fait un peu de couture. Donc on va dire que je vais vous montrer d'abord les projets terminés en tricot, ensuite les projets terminés en couture, parce que c'est voilà, c'est comme ça. Et ensuite on attaquera sur les projets en cours. Donc le projet terminé, c'est ma Sophie Scarf. Bon, c'était pas très difficile, elle était pas loin. Alors par contre, les fils sont pas rentrés, elle est pas lavée bloquée, elle est dans son jus, comme on dirait. Je vais m'en occuper, mais le temps étant tellement maussade, j'aurais dû le faire hier, il y avait du soleil, mais bon, tant pis. Donc ça, c'est l'envers, bien sûr. Et ça, c'est l'endroit. Donc pour rappel, je l'ai tricoté avec 3 écheveaux de 50 g de Indiesita. Le coloris, je ne sais plus, je vous invite à regarder ma fiche Ravelry, elle est à jour. J'ai pris 2 fils de Indiesita ensemble et j'ai rajouté un brin de mohair. Donc on voit bien, il y a les 2 fils d'Indiesita. Hop. Un. Ils sont tous collés au mohair. Hop, on voit bien les trois brins. Et ça donne cet aspect un peu chiné. Alors déjà, la laine en soi, elle est chamarrée, elle est bariolée. Mais en plus, en la mixant comme ça, ça donne un effet chiné, mais ça l'a adouci. Ça, vraiment, ça lui a donné un petit côté beaucoup plus... comment dirais-je ? Ah oui, adouci. Disons que les coloris se mélangent bien. Et puis en termes de longueur, on est pas mal sans l'aide d'avoir bloqué. Je peux aisément faire le tour. Vous voyez, en plus, elle se double comme ça. Hop, et puis on peut venir faire le nœud. C'est fort parfait. J'aime beaucoup. Ça tiendra super chaud. Ça va être super chouette. La Indiesita, c'est de la Alpaga. C'est de la laine de Phil Colana. Celle-ci, elle m'a été offerte par... je fais n'importe quoi, voilà, ça m'apprendra à me gratter l'œil avec les pollens. Elle m'a été offerte par Christine, par Triscott. Je mets à profit mon cadeau pour faire des petites choses dans ce genre. Donc voilà pour la Sophie Scarf. Donc moi j'ai fait la taille M, en fait non, j'ai fait la taille de ma laine. Je suis partie, j'ai pesé mes pelotes en fait. Et quand je suis arrivée à 45% de ma consommation de laine, je suis repartie dans l'autre sens, comme préconisé par Petite Knit. Donc en fait, je suis entre la taille S et la taille M. Je suis vraiment pas loin de la taille M. Il doit me manquer 4 ou 5 mailles sur le bout. Ma foi, ça c'est amplement suffisant. Elle est ravissante comme ça. Elle est assez longue. Elle est parfaite. Et j'ai de quoi en faire encore 2 autres dans les tons... non, 3 autres dans les tons roses. Mais c'est 2 teintes différentes. Donc je verrai. Je verrai ce que je fais. Mais celle-ci est terminée. Elle va pouvoir partir au blocage. Et ça va être un objet... ça va être un projet hyper sympa cet hiver. Vous avez pu voir dans l'introduction j'ai reçu les laines et les tissus de la marque Katia. Donc les laines, on en parlera à la fin du,
Attendez, que je mette dans le bon sens. À la fin du vlog, du coup, les tissus, je peux déjà vous les montrer, puisqu'ils sont terminés, ils sont cousus. Ce sont des sarouels pour Lilian. Encore une fois, à cause du déménagement, en fonction de... Attendez, on est un peu de traviole, je trouve. Voilà. À cause du déménagement, je vais pas avoir le temps de coudre beaucoup. Et encore une fois, si on est muté au 1er septembre, la rentrée, elle est juste le lendemain. J'aurai pas le temps d'aller chercher dans mes cartons et à prendre le temps de coudre. Donc du coup, j'ai anticipé la rentrée scolaire puisque Lilian rentre à l'école. Donc là, ils sont juste cousus, ils n'ont pas été lavés. Donc on voit que ça fronce un peu. Après le lavage, ça froncera beaucoup moins. Donc voici le premier sarouel pour mon Lilou avec ce superbe tissu offert par la marque Katia. Il est vraiment très très beau. J'adore. Et Lilian en est fou. D'ailleurs, il voulait le mettre ce matin. Et j'ai dû le cacher pour pas qu'il le voie. Il le mettra après. Là, il est parti avec papa au parc. Il pourra le mettre après. Une fois qu'il se sera... On le changera à ce que le parc, il revient pas très très propre. C'est un petit peu boueux. Et donc, du coup, comme ça, il va pouvoir en profiter juste après. Et voici le deuxième tissu que j'avais choisi, qui m'a été offert par la marque. C'est un superbe tissu avec des lions et des guépards dans les tons gris et jaune. J'aime beaucoup, ça fait vraiment un style totalement différent. Alors après, j'ai envie de vous dire que ça dépend aussi du bord-côte que vous utilisez. Avec un bord-côte jaune ou un bord-côte blanc, ça aurait donné un autre look. J'ai choisi de mettre un bord-côte gris. Ici, j'ai choisi de mettre un bleu. C'était les bord-côtes de mon stash. Et voilà. Ça fera deux petits pantalons pour mon Lilian. Il les a pas essayés, mais j'en ai déjà trois dans cette taille-là. Mes trois, c'était un peu juste pour l'école, sachant qu'il en faut un sur lui et un en change pour les cas d'accident. Il fallait bien au moins 6 ou 7 pantalons. Et puis, vu que j'étais dans ma lancée, j'ai continué avec des jerseys que j'avais dans mon stash. Donc celui-ci que j'ai acheté chez Céline sur un fil d'Orsay. Et vous voyez, celui-là, je lui ai mis un bord-côte jaune. Je trouve que ça lui donne un petit look... petit cheveu. Ça lui donne un petit look skater. J'aime beaucoup. Ça, c'était des graffitis. Donc je trouvais que c'était assez sympa avec le jaune. Ensuite, un tissu qui m'a été offert par Céline... Donc sur un fil d'Orsay, donc c'était un superbe morceau de jersey avec des oiseaux. Lilian est passionné d'oiseaux. J'ai choisi de lui mettre un bord-côte bleu qui est exactement le bleu des oiseaux ici, de la tête des oiseaux. Ça fait très Noël, mais c'est pas grave, il pourra en profiter dès le mois de novembre, je pense. Peut-être pas tout de suite à la rentrée, et encore que, on s'en fiche complet. Il choisit bien comme il veut, c'est bon, c'est la maternelle, c'est pas non plus, c'est pas non plus, ils vont pas se moquer de lui, hein, voilà, et moi je l'adore ce tissu, il est vraiment ravissant, et puis si vraiment ça va pas, ça fera un chouette pyjama, un chouette bas de pyjama, de pantalon pour la maison, et ça sera super chouette, moi je l'aime beaucoup. Un peu froissé là, mais comme je vous dis, je les ai pas lavés, ils sont juste cousus d'hier, donc voilà. Un tissu que j'avais dans mon stash depuis au moins Léandre, c'était censé devenir un pyjama pour mon Léandre. J'ai jamais pris le temps de lui coudre, et voilà, c'est chose faite, c'est devenu un petit pantalon pour son petit frère. Là, j'ai choisi un bord-côte sable qui rappelle les rhinocéros ici. Et je l'ai acheté à Bordeaux, à Gradignan, et je me souviens plus le nom. Bref, c'est la mercerie qui vend beaucoup de tissus. C'est un gros truc, mais je me souviens plus du nom. C'est là où j'ai acheté mon sac à projet dans lequel il y a la laine. Il y a la laine pour la couverture de Steven West. Donc voilà, avec plein de petits animaux, trop choupinous.
Allez, accrochez-vous, c'est le dernier, je crois. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça, c'est le dernier. Et ça, encore une fois, c'est un tissu que j'ai acheté chez Céline sur un fil d'Orsay. C'est un tissu Katia, de la marque Katia. Et alors, celui-là, je crois que c'est mon préféré. Je crois que celui-ci, c'est mon préf de préf. Ce sont des petits poissons. Alors là, vraiment, trop, trop adorable. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, c'est tout du jersey de coton. C'est du jersey fin. J'ai tout monté à la surjeteuse. Hein. Voilà. Donc, c'est super chouette. Je fais comme ça depuis qu'il met des sarouels. Il adore, il sait les mettre et les enlever tout seul. C'est pour ça que j'ai fait aussi autant de sarouels. C'est parce qu'on leur demande une autonomie. Maintenant, il sait les mettre et les enlever tout seul. Donc, c'est parfait. C'est tout ce qu'on lui demande pour l'école. Hop, il va pouvoir en profiter, avoir de quoi se changer, avoir de quoi profiter. Et puis, franchement, celui-là, il est trop génial. J'adore. J'ai encore du tissu pour lui en faire d'autres, mais... On verra. On verra. Pour l'instant, je vais me contenter de cela. Et si je vois que ça s'use un peu prématurément à l'école, j'en ferai d'autres. Mais du coup, là, je suis tranquille. Il a de quoi voir venir pour la rentrée. Disons que même s'il en use un peu, j'en ai fait 6. Et il en a 3 potables dans son armoire, plus un qui sert à traîner. Parce qu'il est taché et que je le mettrai pas pour l'école, donc c'est cool. Il a 9 pantalons pour l'école et puis un pour traîner à la maison, donc c'est super chouette. Voilà pour les projets terminés. C'était quand même pas mal, hein. J'ai quand même plutôt pas mal avancé. Je vais vous montrer tout de suite la chaussette parce que elle devait être finie, mais elle ne l'est pas. Non, ça c'est pas la chaussette. Je reviens. Ah, les joies du direct. La chaussette n'est pas terminée. Concrètement, avec cette histoire de poignet, j'ai eu du mal à revenir dessus parce que, en fait, j'ai toujours mal quand je tricote sur des petites aiguilles et longtemps. Donc, du coup, je fais quelques rangs par-ci, quelques rangs par-là. Mais elle a quand même avancé. Pas des masses, j'en conviens. Mais le talon était fini et j'étais dans le gousset. Le gousset est terminé. Hop, mon petit gousset est terminé et j'ai même fait quelques rangs en dessous. C'est une taille 37. Je sais pas combien il va falloir que je fasse encore de centimètres. Je pense que j'ai encore 6-7 centimètres à faire avant la pointe. Il faudra que je mesure et que je regarde dans mon tableau. Ça va aller vite. Et encore que je suis pas super pressée non plus. Ça va être super chouette. J'aime bien ma tige, elle est bien haute. C'est ça aussi qui m'a pris du temps. Regardez-moi cette grande tige. Parce que quand je plie en deux, ça devrait faire à peu près la taille de la chaussette. C'est chouette. Donc là, c'est pareil. C'est une laine Katia qui m'avait été offerte par la marque. Est-ce que j'ai la bague ici ou je l'ai... Non. Je l'ai laissée là-bas. Bon, tant pis. Je ne sais plus. Je ne sais ni le coloris, ni la marque. Je vous invite à regarder Ravelry ou l'épisode de la semaine dernière, enfin d'il y a 15 jours, puisque je vous l'ai présenté. Voilà ce que ça rend. Assez sympa. J'aime beaucoup. Et j'ai choisi, oui, de faire le talon en maille glissée de la couleur de la laine. Je ferai la pointe en jaune, comme les côtes. J'aime beaucoup. Moi, j'avais envie de faire un peu... De pas casser le rythme des rayures entre guillemets en mettant une nouvelle couleur. Je trouve que du coup ça lui donne un petit côté sympa. Donc là j'ai passé le marron ici. Hop, et je suis sur le lavande un peu, là, lavande et blanc ici. Donc là il y avait une grande partie ici de cette couleur. Donc après, on va reprendre sur le violet à rayures ici. Et puis après, on recommence le jaune ocre, quelques rayures avec du turquoise, le beige turquoise, le marron. Et puis on verra où on arrive. Peut-être que les choses se feront bien, que je pourrai repartir ici. On verra bien, ça sera peut-être des chaussettes pareilles.
On verra. Ça sera la surprise. Donc ça, ce sont mes petites chaussettes à la vanille en laine Katia. J'avais vraiment envie de voir ce que rendait cette laine et je suis conquise. Potentiellement, je pense que le reste de la pelote, je vais le passer en... Je vais le passer dans ma machine à chaussettes. Je vais en faire un tube et je me ferai des chaussettes pour moi, mais je me ferai les contrastants en blanc. Moi, j'ai plutôt envie d'avoir les contrastants en blanc et cru qu'en jaune. Une fois que j'aurai terminé, j'aurai amplement de quoi faire, puisque moi, normalement, dans 400 mètres, j'ai de quoi me faire deux paires de chaussettes en 39. Donc, je pense qu'avec le petit 37, j'aurai de quoi me faire des grandes chaussettes. Ou alors, j'en ferai pour mon chéri. On verra. Je lui proposerai, s'il aime bien la laine, je lui ferai pour lui. Ça sera super chouette. L'autre projet qui est sur mes aiguilles depuis X années, mais que je pense vous présenter pour la dernière fois, c'est le love note de ma maman. Alors je suis tombée, j'ai eu un gros souci. Je vous explique ça. Alors je vais vous montrer sur l'envers, ça sera plus simple pour moi, vous le connaissez, il est sur l'envers. Hein. Je devais soit terminer le corps, soit terminer une manche. J'ai terminé le corps du love knot, voilà, j'ai fini le corps du love knot. J'ai fait un rabat à la méthode Xeroé, j'aime beaucoup. Alors par contre si on le regarde depuis l'intérieur, l'extérieur c'est beaucoup plus sympa, voilà. Et... j'ai quand même avancé. Je suis à un tiers d'une manche. Concrètement, cette manche-là aurait dû être terminée au vu du temps que j'ai passé dessus. Je vous explique. En fait, dans mon stache à aiguille, j'avais que celle-ci, là, c'est des Adi, en 5,5, puisque je monte d'une demi-taille pour tricoter mes manches, étant donné que je tricote plus serré en mini circulaire qu'en aiguille classique. Et en fait j'ai galéré. Le premier soir je crois que j'ai fait 3 cm de manche tellement j'ai galéré avec ces aiguilles. Pour moi, personnellement, comme je tricote avec des yaya où le câble est hyper souple, celui-ci il est hyper rigide. Les aiguilles, elles sont absolument pas sharp. Ça a beau être des 30 cm, d'habitude je tricote sur des 23, j'ai aucun problème. Ça a beau être des 30 cm, je galère. J'arrive pas à attraper mes mailles, le câble il est trop serré, etc. Donc j'ai fait un soir 3 cm. J'ai dit non, c'est pas possible. Donc j'ai immédiatement passé commande. Je pensais en avoir, j'ai dû les prêter. Et en fait, je ne les ai pas récupérées, je ne sais pas. Ou alors, elles sont rangées ailleurs. J'ai cherché, je ne les ai pas trouvées, donc je ne sais pas où elles sont. Et je dois bien les avoir puisque j'ai fait mon pull. J'ai fait le mien de Love Note l'année dernière et j'ai eu aucun problème. Donc, je dois bien les avoir quelque part. Je pense les avoir prêtées et pas récupérées. C'est possible, c'est pas grave. Donc, du coup, j'en ai profité. J'ai racheté des yaya coudées en 30 cm et des yaya classique en 23 cm en 5,5 et bécasse que je suis, j'ai pas pensé à les prendre en 5 pour faire mes côtes. Oui. Bah du coup, je viens de repasser une commande, je ferai mes côtes. Je pense que je ferai... normalement, elle devrait arriver. Je mettrai en attente mes côtes si j'ai fini ma manche avant. Je ferai la deuxième et puis je ferai mes côtes après, c'est pas grave. Donc du coup, j'avais fait 3 cm. Et puis, ben voilà, en faisant... ouais, j'avais fait ça. J'ai reçu les aiguilles hier midi, je crois. Hier midi, j'ai monté mes aiguilles et voilà ce que j'ai fait sur la fin de repas en attendant que mes enfants aient fini de manger. C'est-à-dire, fin de repas, j'ai dû faire 3-4 cm et puis j'ai fait le reste après la sieste. Pendant la sieste, une partie, après j'ai coupé mon tissu et puis après la sieste j'ai fini par coudre. Mais du coup voilà, j'ai commencé la manche, j'ai dû faire le tiers. La prochaine fois bah, vous ne le verrez plus puisque je vais le terminer pour l'offrir à ma maman. Donc normalement il doit être fini avant mardi.
Et je l'offrirai à ma maman. J'essaierai de vous faire quelques clichés là-bas, de vous faire une petite vidéo que je pourrai inclure dans la prochaine. Et puis voilà. Donc le Love Note, il est tricoté dans les laines Drops en mohair, dans le coloris 17. C'est un joli rose framboise. Je suis perturbée. En fait, mon chéri et mon fils viennent d'arriver. Ils sont sur la terrasse à côté là-bas. Et je vous reprends après, j'ouvre un instant. Voilà, je reviens après un petit arrêt au stand. Il fallait changer une couche d'urgence et ils sont repartis. Donc j'en étais sur le Love Note. Je disais que c'était la dernière fois que vous alliez le voir en vidéo ici en tout cas. Puisque je vais l'offrir à ma maman la semaine prochaine. Voilà, en l'état... Oh, je ne l'ai pas retourné à fond. En l'état actuel des choses, donc là, les manches, ça va aller super vite à faire. Je pense que je vais me consacrer aujourd'hui dessus. Et puis, aujourd'hui et demain, si... voilà. C'est pas s'il faut, mais aujourd'hui, demain, pour faire les manches... pour faire les manches complètes. Et puis, je ferai les côtes quand j'aurai reçu mes nouvelles aiguilles. Ça devrait aller vite, je pense que... Si je fais ça pendant la sieste et ce soir, je dois avoir largement fini celle-ci et monté celle-là. Fini demain. Et comme ça, après, je pourrais lui donner son bain. Enfin, finir les côtes quand je pourrais. Et si je ne les reçois pas assez vite, et ben ma foi, je les ai en comme ça. Et bien, je ferai avec ça. Tant pis. Sinon je disais, donc le mohair de chez Drops, le kit silk de chez Drops, c'est un joli rose framboise, il est un poil trop foncé sur le retour écran, c'est le coloris 17 si je ne m'abuse, et avec Life in the Long Grace, c'est Rose Bay quelque chose, voilà, qui j'adore ce coloris, et le mien était beaucoup plus rose, là il est un peu plus dans le violet ou le rose... Rose Barbie et violet, le mien était plus dans des sous-teintes comme ça, c'est rigolo, ça donne pas le même effet, mais c'est pas grave, c'est très joli aussi, et puis il tire sur sa fin. Donc je vous ferai des petites photos ou vidéos là-bas chez ma maman, une fois qu'il sera terminé, certainement sur mon mannequin, puisque je vais voir ma petite sœur, je vais pouvoir en profiter. Bien sûr, c'est dans mes sacs Créalovia. Celui-ci, c'est le sac panier. Je l'adore. Et il est stylé. Il le dit lui-même. Voilà. Hop, ils m'ont tout perturbé là de venir comme ça en plein milieu de la vidéo. Je ne sais plus par quoi attaquer. Alors, qu'avons-nous par ici? Alors, celui-là, je vais vous le montrer après. On va prendre la couverture de West. Du coup, je ne sais plus du tout où j'en étais. Je sais que j'ai fait plusieurs... J'ai fait plusieurs rangs le week-end dernier. Je n'y ai pas du tout touché ce week-end. On va faire attention de ne pas faire tomber ma pelote. Et je ne sais plus où j'en étais quand je vous l'ai montré la dernière fois. Bah, c'est pas grave, on va recommencer. Donc un coin... Je ne sais même plus par où on commence réellement. Ah si, c'était ici. Ça c'est le premier... C'est le tout premier indice. Ça c'est le 2, le 3 et le 4, le 5 de mémoire, et puis après je ne sais plus. Donc voilà la petite merveille. Hop, donc ça c'était fini déjà de la dernière fois, et donc là on était en train de travailler la dernière fois. Non, justement, la dernière fois j'avais fini la grise et j'étais dans les tout débuts de celle-là, de mémoire, dans les tout... Ouais, peut-être que j'avais fait la moitié, peut-être, donc ici. Vous voyez, il restait quand même... Je me suis fait une frayeur parce que j'ai utilisé le même fil pour mettre les mailles en attente et je le voyais pas et j'ai cru que j'avais perdu mon câble, bref. Et il restait quand même encore pas mal à faire puisqu'il restait encore tout ça là, comme ça part sur le côté, ça prend un peu de temps. Donc ensuite il y avait ce morceau à faire, il y avait
ce petit triangle qui venait reprendre, c'est lourd ça, qui venait reprendre une partie d'il y a quelques temps déjà. Et ensuite, on venait terminer par ce grand triangle rose. Donc là, il y a des morceaux de partout. On va les raccrocher après, hein, mais il y a des morceaux de partout, ça pendouille. Voilà. Et là, je suis dans le gros morceau, je vous avais dit, gros morceau gris qui vient ici récupérer donc déjà toutes les mailles ici. Et après, je crois qu'il vient récupérer toutes les mailles là. J'ai un doute que je vous dise pas d'ânerie. Hop. Alors, il commence à y avoir du vécu, hein, si mon fils commence à dessiner dessus. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Que je me repère. Donc là, en fait, je suis dans cette grosse partie. Là, je l'ai déjà coloriée, c'est parce que j'ai déjà sorti la laine. Donc j'en suis dans cette grande partie. Donc oui, c'est ça. Ça vient récupérer le petit triangle beige et ensuite longer là le long du grand triangle rose. Et donc là, bah, ça sera le bord de la couverture de ce côté-là. Et puis ensuite, on viendra relever celui-ci. Donc c'est ça. Ça vient bien. Ça y est, elle est tombée. Ça vient bien, donc du coup... manger jusqu'ici et après ici ça sera droit le long de celle-ci. Donc vous voyez, il reste un sacré morceau à faire et ensuite l'autre morceau. Concrètement, je sais pas si je vais l'avancer pendant les vacances, parce que je vais pas l'emmener avec moi, ça c'est sûr, elle prend trop de place. Si ce week-end j'ai le temps de tricoter dessus, et eh bien ma foi, j'avancerai sur celle-ci et j'essaye de finir ce petit morceau. Ma foi, ça va dépendre de comment j'avance sur le Love Note, mais ça commence déjà à être un sacré morceau. Je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment d'amour. Là, il y a vraiment des coloris de fou qui me rappellent certaines choses. Il y en a qu'on m'a offert, il y en a que j'ai racheté en déstage pour mettre dans une couverture. Donc franchement, c'est chouette, c'est un chouette projet. Et j'ai commencé à mettre en carton mes laines et je suis retombée sur celle pour la couverture de mon Lolo. Et du coup, j'ai presque hâte d'avoir fini. Alors je savoure chaque maille, hein, puisque c'est un plaisir et vraiment c'est super chouette. Mais je me dis que ça va me faire plaisir de la refaire dans des tons avec des coloris, avec des pelotes achetées exprès. C'est quoi ça qui a lâché? Hop. Avec des coloris choisis exprès pour mon fils, avec des sections moins petites. En fait, je vais utiliser la même couleur pour faire plusieurs groupes, pour que ça fasse moins patchwork. Et c'est toujours dans mon sac Graou de chez Créalovia. Ça commence à être serré, mais ça rentre encore dedans, donc c'est chouette. Donc c'est la Jinxo Puzzle Blanquette de Steven West que je réalise avec mes restes, donc dans les tons rose, beige, un peu de gris. J'ai rajouté des écheveaux, ils sont plus dans les tons saumon parce que bah, j'arrive vite au terme de mes écheveaux esselés, enfin de mes restes esselés d'assez grosse consistance parce que... Bah, au final, au début, c'était facile parce que c'était des petites sections. Mais là, on arrive sur des grosses sections et c'est plus compliqué de trouver des 60 grammes de reste, par exemple. Mais c'est pas grave en soi. Le prochain projet... J'ai oublié de ranger ça. Le prochain projet que je vais vous présenter, c'est mon châle bohème qui est rentré en test cette semaine. Hop. Avant ça, je vais vous parler rapidement de mon châle anniversaire. J'ai pris la décision de ne pas vous le montrer en vlog, comme je vous ai dit il y a 15 jours. Je reste sur ce portage. Je vais peut-être d'ailleurs profiter des 15 jours de vacances pour emmener que celui-là. Plus le bohème... Non, peut-être emmener que celui-là et ce que je vais vous montrer après pour avancer au maximum dessus. Je vous montrerai une fois qu'il sera terminé en fin d'épisode
comme j'ai fait l'année dernière pour les plus curieux et curieuses d'entre vous ou ceux qui ont envie de voir. Ça sera surprise pour les autres. Et puis voilà, ça peut être sympa aussi de partir dans l'inconnu pour tricoter une pièce de temps en temps. Mon châle bohème, il est là-dedans et je sais d'avance que je vais galérer pour vous le montrer puisque je suis en milieu de rang. Puisqu'hier, pendant la sieste, j'ai attaqué un rang de brioche et Lilian s'est réveillée à moitié de rang. Donc je sais déjà que je vais galérer. Alors, déjà je vais vous montrer. Donc ça, c'était le centre. Je ne sais pas comment je vais faire. Est-ce que je suis loin de la fin? Est-ce que je suis loin de la fin? Non, pas trop. Mais j'en ai quand même pour un moment. Eh bien, je vais essayer de faire comme ça. Et de vous montrer que sur la moitié. Ah, c'est pas mal comme ça. Du coup, il faudra essayer d'imaginer. Donc là, on a le triangle central. Ensuite, on a du point mousse et des bubbles. Il y a des rangs raccourcis donc, qui viennent donner ces jolis petits trous. Ensuite, il y a un petit peu de brioche simple. Quand je dis simple, c'est qu'il n'y a pas de diminution, hein, c'est que de l'augmentation. C'est que des augmentations. Voilà. Ensuite, on repart sur du mousse et des bubbles. Le jacquard caractéristique du pull bohème qui vient se mettre dans le châle. Et j'ai pris le parti de le faire en jacquard, puisque c'est un jacquard simple où on ne vient jamais croiser ses fils. Donc là, c'est le jacquard brut, sans blocage. Il ressort quand même super bien. Et ensuite, on repart sur un peu de mousse, des bubbles et la grande bordure qui sera en brioche simple. Mais donc qui reste à finir. Mais c'est pas grave puisque moi je peux me permettre de le finir un petit peu après. Le châle est déjà en test, le patron est écrit. Il me restera juste à mettre le nombre de rangs qu'il faut réaliser dans la brioche. Et puis mes testeuses, le temps qu'elles me rattrapent et qu'elles tricotent tout ça, j'aurai largement fini mon châle. Donc c'est chouette parce qu'il me reste quand même encore 50 grammes de chaque. Donc il va y avoir une jolie bordure. Et ensuite on viendra relever les mailles sur l'ensemble du châle, reprendre les mailles qui sont en attente ici et puis terminer avec, je sais pas encore si je fais un rabat, quel rabat je vais faire. Il y a des grandes chances. Oui, en plus je vous dis n'importe quoi parce qu'il m'en reste beaucoup. Je suis sur le bleu dans le rang en vert, donc je suis sur mon troisième rang de brioche. Hop, je vais juste refaire quelques mailles pour pas que ça tire trop. Donc du coup c'est chouette, ça va être un chouette projet. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai piqué que sur une maille. Hop. Ça va être un chouette châle parce que là je l'ai épinglé pour le mettre en test, pour montrer un peu à quoi ça ressemblait, certes sans la bordure. Et c'est déjà un sacré châle avec une belle envergure. Il fait déjà presque 2 mètres d'envergure et je crois 70 cm de profondeur. Donc ça donnera vraiment un joli châle. Hop, voilà. Comme ça, ça tirera pas. Un joli châle bien enveloppant. Hop. Donc du coup, ce sont les laines de Arco Irisiarn dans le coloris Nostromo pour le bleu marine. Et c'est un fade ombrage. Donc on voit bien que c'est beaucoup plus foncé ici. Et plus on avance, plus ça s'éclaircit. Et je pense que là, j'arrive sur la fin de la troisième couleur de fade. Et on va attaquer la deuxième. Et ensuite, on sera sur la première qui est vraiment beaucoup, beaucoup plus claire. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il est un peu flou. Et ça va vraiment bien ressortir sur le bleu marine. Ça va vraiment être super sympa.
C'est Dr. Wool, donc le 100% Merino. Et ça, c'est un sock blanc qu'elle a teint en fade. Mais vous pouvez également utiliser une couleur unie. Hein. Il n'y a pas de problème. Enfin, une couleur unie. Qui ne soit pas un dégradé. Si vous avez envie d'une laine à speckle pour le réaliser, c'est sans problème. Donc voilà, un petit châle triangulaire asymétrique. Petit... ni par sa forme, ni par la quantité de laine, mais petit quand même, donc voilà. C'est dans un sac à projet qui m'a été cousu et offert par l'une d'entre vous. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le motif japonais là, vraiment sympa. Il y a une petite carpe koi, c'est vraiment chouette, mais il est parfait, la taille est parfaite pour tenir mon châle à trois écheveaux. Alors, par la suite, dans cette petite beauté, de sock addict ne se cache pas des chaussettes mais un projet cadeau, le romance de Marie-Christine Lévesque que je tricote pour le mariage d'une copine, d'une amie dont je suis la témoin, et je le tricote dans ces petites beautés. Et qu'est-ce que c'est que ces petites beautés? Ces petites beautés, c'est le petit nuage de chez Teinture Lurée. Donc là, c'est le coloris Petit Roi. Vous avez, il est trop bleu. Il est un poil plus turquoise à l'écran. Et c'est sa base Basmi. Donc c'est... elle va me taper sur la tête. Yak. Ça c'est sûr, Merino, ça c'est sûr, Alpaga, soit, mais le B je sais plus. Je sais plus, le B je sais plus. Et puis bah forcément j'ai pas les étiquettes parce qu'elle me l'a envoyé directement comme ça et je lui ai dit que c'était pas la peine qu'elle me mette les étiquettes, j'en avais pas besoin, donc qu'elle fasse des économies. J'ai pas besoin des étiquettes, je sais ce que c'est, et c'est une douceur. Vous pouvez le substituer au mohair, sauf que comme c'est de l'alpaga, ça pique pas du tout. C'est vraiment d'une douceur, c'est un vrai nuage. Et je le tricote en double, et j'ai exactement, l'échantillon de Marie-Christine Lévesque pour son gilet romance. Pour elle, c'est une DK, tricotée en 4,5, et voilà, j'ai attaqué le dos, et vous voyez, c'est parfait, il est vraiment trop beau, et en plus, là, vous imaginez qu'il est non bloqué, quand j'ai fait mon échantillon, il a gonflé et tout, il n'est pas du tout déjaugé, c'est un nuage, je ne sais pas si je vais lui donner finalement. Et donc j'ai terminé la partie dos et là je suis dans la partie emmanchure. Donc on vient créer des augmentations ici et donc on fait un montage, excusez-moi, des rangs raccourcis pour creuser les épaules, vous voyez bien là. Ensuite on vient faire des rangs. C'est surprenant. Un certain nombre de centimètres de rang qui se mesure ici. Ensuite, on vient commencer les augmentations. Ouais, décidément. Pardon. Et ensuite, on va venir relever les mailles ici pour faire les demi-devants qui vont venir se mettre là, comme ça. Et une fois que j'aurai la même longueur de demi-devant, je vais pouvoir tout rassembler et tricoter le corps du gilet. Donc là, c'est lui qui vient avec moi chez ma maman. Donc je pense que je vais prendre le châle anniversaire. J'aurais pas fini le bohème. Je vais prendre le bohème, le châle anniversaire et lui. L'objectif, ça sera de finir le bohème et d'avancer au max sur lui. Et de faire une section de mon châle anniversaire. Ça sera déjà pas mal. Comme ça, lui, j'aimerais bien revenir et n'avoir plus que les manches à faire. Le mariage, c'est le 11 mai, donc il me reste encore du temps, mais c'est en 4,5. Ça, je l'ai fait en une soirée. Donc, je me dis que ça peut aller hyper vite. Juste, faut que je me mette dessus, en fait. Et comme je veux finir les autres projets pour pas avoir trop de choses sur les aiguilles,
il est un petit peu en dormance, mais il va ressortir. Dès que j'ai fini le love note de ma maman, c'est lui qui passe prioritaire pour les tricots de soir. Et du coup, les aiguilles en 5 et en 4,5, ça sera parfait parce que j'en aurai besoin pour lui aussi. C'est aussi pour ça que j'ai pas hésité à acheter une nouvelle paire, des nouvelles paires d'aiguilles. Et bien sûr, j'ai monté, vu que le bohème est sur sa fin, j'ai monté le prochain design qui va sortir cet été. C'est un châle que je tricote en collaboration avec Céline, avec les laines de Céline sur un fil d'Orsay. Je vous ai déjà montré les laines, alors je vais essayer de ne pas faire trop de Villa Franco, voilà. Je le tricote en Jawal Silk de Languiyarn. Donc la laine avec de la soie, c'est 55% laine, 25% polyamide et 20% soie. Donc c'est une laine à chaussettes avec de la soie. Mais c'est une fingering et franchement, jolie découverte. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la tricoter. Elle est vraiment super douce. J'aime bien. Franchement, c'est une jolie découverte. Et je la tricote avec le lace de Lang. Donc là, c'est la Mohair Super Kit Silk, 58% mohair, 42% soie. Et il y a 310 mètres pour 25 grammes. Et c'est pareil, celui-là, ce mohair, il est d'une douceur. Alors, il est plus fin que les mohairs que j'ai l'habitude de tricoter. Je ne l'ai pas encore tricoté. Je ne le tricote pas en double. Je ne le tricote pas en double avec ça. C'est vraiment des parties du châle à part entière. Je vais vous montrer. J'ai qu'un tout petit début. Mais un début quand même. Que les partisans des strings, culottes et autres réjouissances sur des débuts de châle sortent. Voilà, parce que je vous vois venir, je vous vois, je vous entends. Voilà le début de mon châle. Alors oui, c'est pas un grand début, on est d'accord, je l'ai commencé hier soir. Donc là, j'arrive à la fin de ma première section. Effectivement, on dirait une petite culotte ou un cache-nez, je sais pas. Une barbe! Ben voilà! Je ne savais pas quoi faire, je me suis fait une barbe! Non, trêve de plaisanterie, voilà le début de mon châle. C'est marrant comme à chaque fois ça rebique comme ça, mais après avec le blocage ça va se mettre correctement. Donc là, on va faire... On va continuer encore un petit peu le point mousse. Ensuite, on va faire une alternance avec ces deux laines-là. On va repartir sur du mousse. Et ensuite, ça va être un jeu d'alternance entre de la brioche bimatière et de la dentelle juste avec celui-ci. Ça va être ravissant et c'est mon châle de mariage de cette année. Je vais essayer de sortir un châle tous les ans, voire tous les deux ans, vraiment que je dédicace aux mariés que j'aimerais voir tricoter pour des mariages. Alors pas forcément, pas forcément pour la mariée, que vous pouvez porter vous aussi. Donc celui-ci s'appelle Summer of Love, un été d'amour. Celui de l'année dernière, c'était l'étole Once Upon a Time que j'avais réalisé dans les laines de Lolita, de Loli la Fée, dans son coton cachemire. Et là, cette année, j'ai décidé de faire du mérino et soie et du mohair et soie, vraiment dans la douceur, dans la légèreté, vraiment quelque chose de doux, de romantique qu'on a envie de porter, voilà, le plus beau jour de sa vie, entre guillemets. Et j'ai choisi les coloris écrus pour le faire. Et je pense que je me ferai une deuxième version, mais peut-être pas tout de suite. Beaucoup plus peps. Voilà. Donc ça, c'est la Teen Silk. Voilà. De Sandnes Garn. Et celle-ci, c'est la Jawal Silk, mais vraiment rose framboise. Et là, ça serait vraiment le châle que je peux porter l'été sur mes petites robes. Celui-ci aussi, mais qui correspond plus à mon caractère, celui-ci, qui est beaucoup plus peps, qui me correspond plus. Donc je pense que je m'en ferai une seconde version comme ça, à temps perdu. Enfin, je ne suis pas sûre d'avoir du temps perdu, donc peut-être que je ferai appel à une sample pour me le tricoter. On verra en fonction du temps dont je dispose. Ça, c'est pareil.
Ça va être en fonction aussi des projets qui vont arriver sur mes aiguilles tout au long du temps où j'attends pour le déménagement. C'est une période de grand stress pour moi. Donc voilà. Donc ça, je l'ai monté hier soir. J'avais vraiment besoin de monter un nouveau projet. C'est tombé sur lui. De toute façon, c'était lui. Et puis après, j'ai un autre châle à monter d'ici 15 jours. Donc vous en pourrez en profiter peut-être le début quand je reviens en vidéo. Et celui-ci, c'est le dernier sac que j'ai acheté à Stéphanie Créalovia. Et je l'adore. Et je trouve que il matche super bien avec le projet hyper romantique. Je trouve frais, tendre, vraiment très romantique à souhait. Il est parfait. Donc voilà pour les projets que j'ai en cours, ce qui est déjà somme toute pas mal, même s'il y en a certains qui vont s'arrêter, qui vont se terminer, que vous reverrez peut-être, un que vous ne reverrez pas, l'autre j'espère pouvoir vous le montrer terminé, je parle du châle bohème. J'aimerais avoir fini aussi une chaussette, ça serait cool, mais comme elles ne sont pas urgentes, c'est pas très très grave. Je vais vous montrer maintenant les jolies laines que j'ai reçues de Katia. Hop. Alors j'ai eu un déboire, c'est-à-dire que ils m'ont demandé quelle laine je voulais et dans quelle quantité. Donc j'ai demandé la Coton In Love en concept by Katia. C'est une 6 000 DK, 50 grammes, 115 mètres. Reste ici toi. La composition, il tricote en 3,5-4. En 4, il donne 20-26 mailles. Et c'est 50% de coton égyptien et 50% de laine vierge, donc mérino. C'est relativement doux, c'est pas sec comme du coton, c'est relativement doux. Et à la base, j'en avais demandé 14 et j'en ai eu 10. Le colis est arrivé défoncé, il manquait ces 4 pelotes. Normalement, ça aurait dû être un pull pour l'année prochaine. Pour l'hiver prochain, et quand j'ai reçu, puisque c'était de la DK, et quand j'ai reçu la laine, je trouve que ça correspond plus à un top d'été. Donc on verra, je pense que ça va plutôt se transformer en petit top d'été pour cet été. Donc possible que vous le voyez sur mes aiguilles assez rapidement, parce que du coup ça correspond plus à un pull manche 3/4 plutôt qu'un pull avec ce que j'avais décidé au départ. Un instant, je reviens. Me revoilà, on va y arriver. Mon chéri est parti faire des courses et il me demandait s'il prenait plutôt ci ou plutôt ça. C'est trop rigolo. Donc je reviens du coup pour terminer avec cette petite merveille. Et là, franchement, c'est une très jolie découverte. C'est la Andina Coton. C'est la Andina Coton de Concept by Katia. C'est le coloris 61. Et là, c'est 73% de coton, organique coton, 18% d'alpaga et 9% de polyamide. Il y a 130 mètres pour 50 grammes. Et franchement, alors c'est un petit fil chaînette. Je ne sais pas si vous allez le voir. Et c'est d'une douceur. C'est super doux. Donc j'ai demandé 5 pelotes comme ça et ça sera un châle pour l'été prochain. Ça va être un châle pour l'été prochain. Alors oui, c'est pas une couleur de l'été, etc. Mais je pense que sur un petit top un peu coloré et tout, ça va venir assagir, ça va vraiment être chouette. D'autant que ça va être un châle, j'ai déjà fait les dessins, j'ai soumis les dessins déjà à Katia, etc. Ça va être un châle très simple avec juste la bordure qui fait waouh. Donc ça va être top parce que ça va vraiment mettre la laine en valeur. Ça va être super sympa. Donc voilà pour cette petite potée. Et donc dans le colis, il y avait aussi les deux tissus que je vous ai présentés tout à l'heure. Et j'ai eu en cadeau un joli petit carnet pour pouvoir prendre des notes. Ça, c'était super gentil de la part de la marque. Et j'ai également reçu une tasse à café, mais en émaillé là. C'est super sympa ça aussi. Alors je vais être obligée de boire du café et de boire du thé. Quel dommage, vous me direz.
Donc voilà, j'ai fait le tour de l'ensemble de mes projets. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire. N'oubliez pas la sortie de cette petite beauté et le code Kaguya pour obtenir les 15% de réduction. Et puis, bah, du coup, n'oubliez pas que la semaine prochaine, je ne suis pas là, je suis en vacances et on se retrouve dans 15 jours. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne quinzaine créative et surtout un bon tricot !